Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà. Alors là, on a les cochons d'Inde. Des jours. Voilà. Du coup, ma soeur et les a remis ensemble, la femelle et le mâle qui est rentré juste avant. Là, ils ont à manger des graines. Là, j'en ai mis du chou-fleur. Hop là, je ferme. Là, vous avez les poules. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai vendu deux poules, les deux poussins de l'année dernière. C'était deux poules, il y avait une frisée comme le coq et une lisse. Voilà, sinon je les ai vendues. Après, là, il y a encore mes poules. Là, il va falloir que je les change. Hop. Puis là, vous avez peut-être pu apercevoir les chats. Là, il y a un nid, je crois, mais pas de pondre. Ouais, il y a mon arocana qui pour là. Là, il y a la niche. Oui, pour le parc, c'est totalement gadouilleux. Bon, là, je l'ai rien à manger ce matin, mais là, c'est devenu de la pâtée. Alors, voilà. Là, sur la ponte, j'enlève les œufs. Il y a 5, 4 œufs et 5 avec l'œuf vert d'arocana. Bon, c'est une niche à chien, quoi. Voilà. Mon coq qui va bien. Et voilà. Alors ils ont grandi. Ah, merde. Non, sautez pas. Attendez, je... Voilà. Alors, on a... Vous avez vu, vous... vous les avez vus dans la couveuse. Alors voilà. Avec, en fait, les 16 œufs de Brahma, la dame, ils s'étaient pas fécondés. Alors du coup, la dame, elle, vu qu'elle était très 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 gentille, elle nous a donné 5 œufs, 5 poussins Brahma. Alors il y a lui là, lui, pas lui, non, il y en a. Alors les deux gris là, celui-là, non, celui-là et celui-là, c'est pour aller avec mon coq Brahma. Après là, c'est des Brahma fauve herminé. Il y en a 3. Celui-là. Celui-là. Bon. Et celui-là. Alors normalement, les poules. Les gris, c'est deux poules. C'est deux poules. Et normalement, là, j'ai deux coqs. Deux coqs et une poule. Après ça, je sais pas si c'est un coq ou une poule. C'est les deux noirs et celui-là, là. C'est ceux qui sont nés chez moi. Voilà. Lui, c'est un coq. Et ça, c'est une... petite Pékin frisé. Alors, je disais, les deux gros... J'ai une petite coupure, je suis désolé. Les deux gros, là, celui-là et là-bas, là. C'est croisement... ma poule comme ça et mon coq Brahma. Voilà. Ah, il est très beau, hein, franchement. Voilà. Petit poussin. En fait, je les ai enlevés. C'était dans ma maison, dans la salle. Dans mon salon. Et je les ai enlevés parce que ça puait tellement qu'on a dû les mettre dans le clapier. Mais faut pas vous inquiéter. Le soir, je leur mets une planche devant leur grille. Pour justement que le chaud reste un peu à l'intérieur. Voilà. Il s'appelle Trump, lui. C'est le chef. Lui, c'est Aboubacar. Et là, c'est le poussin de ma mère, c'est Pouic Pouic. On voit déjà qu'il a ses... les trucs là, qui poussent. Comme les coqs. Voilà. Là, ils sont bien. Quand les poules sortent, je les mets dans le poulailler 5 minutes. Pour qu'ils s'habituent. Voilà, le cochon d'Inde. Hop là, qu'est-ce que tu fais? Il m'attaque et il saute sur moi. Il m'a sauté dessus. Alors voilà. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ils sont tous là. Alors là, il pleut encore, comme d'habitude, hein, il pleut tout le temps de toute façon. Là, je galère à fermer.
Je suis désolé si je fais bouger un peu la caméra, le téléphone. Parce que. Voilà. Alors, les cochons, je sais pas si je vous avais dit, mais ma soeur, elle avait eu deux bébés. Mais ils sont morts. Voilà. Le mâle, on a. On sait pas, ils ont bouffé la moitié d'un, puis l'autre, ils l'ont tué. Hop, alors mes poules elles pondent, ça va. Il y a elle qui pond, elle, les deux grosses là, la grise derrière mon gros coq et la rocana. Voilà. Après j'ai encore des rats, j'ai trouvé un trou là, par là, là. J'ai mis des planches pour justement qu'ils aillent éviter, qu'ils évitent d'aller derrière les clapiers et faire leurs besoins. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Bye tout le monde.